Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on va installer des fichiers ESD et éliminer les points d'interrogation jaunes qui se trouvent dans Redis Links. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le fichier EDS et qu'est-ce que ça veut dire les points d'interrogation jaunes? Donc, lorsqu'on va ouvrir Redis Links pour voir quels sont les équipements qui sont connectés à notre automate ou bien à notre PC, on trouve parfois qu'il existe des points d'interrogation jaunes. C'est quoi ces points d'interrogation jaunes? Ce sont des équipements qui ne sont pas reconnus par Redis Links. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire ici pour être reconnu par Redis Links? On doit installer le fichier EDS. Ce sont des fichiers spécifiques pour chaque équipement pour être reconnu par Redis Links. C'est l'équivalent lorsqu'on parle du schéma du fichier GSD. Okay? Donc, ici, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on va installer ce fichier EDS à travers Redis Links. Bien sûr, il existe deux méthodes pour installer le fichier EDS. La première méthode consiste à cliquer. Donc ici on doit cliquer sur l'équipement qu'on veut installer son fichier ESD et on clique à droite à droite. Donc lorsqu'on clique à droite, on va apercevoir ce menu. Donc ici, lorsqu'on va cliquer sur quoi ici? Upload EDS file from device. Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire cette méthode? C'est-à-dire ici je vais installer le fichier EDS à partir de mon équipement. Okay? Donc la première étape consiste à cliquer avec le bouton droit sur l'appareil en question pour voir si son fichier EDS intégré est prêt à être téléchargé. Donc ici, on va cliquer à droite pour télécharger, pour récupérer le fichier EDS à partir de l'équipement lui-même. Okay? Si c'est le cas, vous aurez l'option ci-dessus pour télécharger le fichier EDS à partir de l'appareil que vous souhaitez sélectionner. C'est-à-dire ici, lorsqu'on clique à droite, ici nous avons une option Upload EDS File from Device. C'est-à-dire je vais télécharger le fichier EDS à partir de notre équipement. Bien sûr, ici, on utilise cette méthode si l'équipement possède son fichier EDS installé chez lui. Ok? Donc, remarque, si vous ne voyez pas cette option, passez. Donc, si on ne trouve pas cette option, donc ici, l'équipement ne possède pas le fichier EDS installé chez lui. On va voir, il existe une deuxième méthode. Donc, ici, pour ce cas, je vais vous montrer comment on va charger le fichier EDS, récupérer le fichier, désolé, récupérer le fichier EDS à partir de notre station. Ok? Donc ici, après que nous avons cliqué sur le upload EDS Flyer, ici on va voir l'assistant apparaît, l'assistant d'installation de EDS. Donc ici, c'est-à-dire cet assistant permet la récupération du fichier EDS à partir de notre équipement et par la suite il sera reconnu par le fichier RSI Links. Donc ici on clique sur Next, Next, Next jusqu'à terminer. Okay? Donc c'est la première méthode qu'on va installer le fichier EDS à partir de l'équipement. Donc on va l'installer au niveau RSI Links. Parfois, donc ici, lorsqu'on termine, on remarque que notre produit maintenant, il n'est pas en point d'interrogation jaune, c'est-à-dire il est remplacé par l'image spécifique à l'équipement à installer. Okay. Parfois, lorsqu'on clique à droite, on ne trouve pas Upload file EDS device. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire que cet équipement ne possède pas le fichier EDS installé chez l'équipement. Okay? Donc ici, on ne peut pas le récupérer. Donc qu'est-ce qu'on doit faire ici? La première étape consiste à télécharger le fichier. Donc on va télécharger le fichier EDS à partir du site web de Rockwell. Okay, bien sûr, lorsqu'on parle de Rockwell, c'est-à-dire ici l'équipement qui se trouve, c'est un équipement Allen Bradley, ou bien du site du constructeur. Ok, donc si vous n'avez pas la possibilité de charger le fichier ETS à partir de l'appareil, c'est-à-dire je ne peux pas le récupérer à partir de l'appareil elle-même, donc qu'est-ce qu'on doit faire ici? Lorsque vous cliquez tout dessus avec le pouce en droite, cliquez plutôt sur l'option propriété du périphérique. Donc ici, avant de télécharger le fichier EDS à partir du site du constructeur,
on doit connaître les propriétés de cet appareil. Donc, c'est pour cette raison. On clique à droite sur le point de réaction en jaune. Ici, on doit aller au Device Property, c'est-à-dire on va voir la propriété de l'équipement. Donc, ici, lorsqu'on clique sur propriété, il affiche les propriétés de notre équipement. On doit prendre ces propriétés, ici surtout le fichier EDS, propriété sur ce fichier EDS. On doit maintenant aller, après qu'on a récupéré le fichier, hein, on doit maintenant aller, si c'est un produit SQL, donc on doit aller au site www.ap.com pour télécharger le fichier EDS à partir d'une fiche de données électroniques, c'est-à-dire on doit aller au site de SQL Alan Bradley, on clique sur télécharger et fiche de configuration électronique, c'est une fiche EDS. Okay, c'est-à-dire ici on va récupérer le fichier EDS du site Alan Bradley. Si on parle ici, c'est un produit Alan Bradley. Si ce n'est pas le cas, donc on doit aller le site constructeur. Ok, on va télécharger le fichier EDS de cet équipement. Ok, après que nous avons téléchargé le fichier EDS de cet équipement, il existe un outil qui permet d'installer le fichier EDS. Donc, ok, donc ici on peut l'ouvrir donc à partir de LS5000 ou bien ici à travers, ici lorsque vous cliquez EDS, voilà EDS Hardware Installation Tools. C'est-à-dire c'est un outil qui permet, donc il va afficher, on va attendre un peu. Bon, j'ai pas cliqué EDS, voilà. Donc c'est un équipement, c'est un outil qui permet d'installer, c'est un outil de Alan Bradley qui permet d'installer les fichiers EDS dans RSLinks. Ok, donc ici à partir de ce cas, donc ici on a le même celle-ci. Donc ici cet outil apparaît de l'installation de EDS. On clique sur le Add. Après qu'on clique sur le Add, ici on va spécifier quoi ici? On va spécifier le fichier EDS que nous avons téléchargé du site de constructeur. Ok, donc ici lorsque je clique sur le Add. Et ici, je vais aller au fichier EDS que j'ai téléchargé de l'Internet. Ok. Donc, qu'est-ce que je dois faire ensuite? On clique ensuite, on clique sur ensuite, jusqu'à terminer. Et par la suite, on remarque que le point d'interrogation jaune est éliminé. C'est-à-dire que RSLinks a reconnu le constructeur. Et par la suite, il va maintenant RSLinks. Vous pouvez voir l'image de l'appareil à la place du point d'interrogation jaune. Comme vous remarquez, elle est remplacée par l'image de l'appareil. Ok. Et par la suite, elle est reconnue. Cet équipement est reconnu par RSLinks. Ok. Donc, comme pour résumer, nous avons ici deux méthodes pour installer le fichier EDS. C'est-à-dire, c'est quoi le fichier EDS? C'est parfois lorsqu'on ouvre RSLinks, il existe des équipements qui ne sont pas reconnus. Donc c'est pour ça qu'on doit installer le fichier EDS à RSLinks pour être reconnu. Donc, ou bien on va le récupérer directement de l'équipement lui-même. Si je ne peux pas le récupérer, si l'équipement ne possède pas le fichier EDS, je dois aller au site internet du sous-constructeur. Ok, je vais télécharger le fichier EDS de l'internet, puis je vais ouvrir l'outil EDS install, c'est-à-dire c'est un outil qui permet d'installer le fichier EDS. Et je vais parcourir, je vais aller chez ce fichier, je vais l'installer. Ok, donc je vais montrer ça à travers deux vidéos pour expliquer ça. On va commencer la première méthode, c'est-à-dire je vais récupérer le fichier EDS de la constructeur de l'appareil directement et de l'installer. Donc ici c'est notre RSLinks. Ok, bien sûr. Ici, je vais ajouter un driver Ethernet, c'est-à-dire pour récupérer tous les équipements qui sont connectés à notre carte réseau. C'est bon. Ici, lorsque je vais ouvrir, on remarque qu'à travers notre carte réseau, il existe des équipements qui sont reconnus. Et qu'il existe aussi des équipements qui sont en point d'interrogation jaune. Qu'est-ce que ça veut dire point d'interrogation jaune? Ce sont qui ne sont pas reconnus par RSLinks. Donc ici, on doit installer
Ok, on doit installer le fichier EDS pour être reconnu par RSLinux. Ok, ici on clique à droite, on clique sur le propriété. Désolé, c'est ce pour ici. Donc, ici on doit cliquer sur. Je vais revenir un peu. Donc, je dois cliquer sur. Donc c'est pas sur upload EDS file from device, c'est-à-dire ici je vais récupérer le fichier EDS, je vais à partir de notre équipement qui est connecté à notre carte réseau de notre PC. Donc ici, donc un assistant elle va apparaître. Donc voilà l'assistant de installation des serveurs suivant. Ici, c'est le chemin de votre EDS. Ensuite, on clique sur le suivant, suivant, terminé. C'est-à-dire ici, j'ai pu installer le fichier EDS directement à partir de l'appareil. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de le charger de l'intérieur. Je peux le récupérer directement de notre équipement qui est connecté à notre carte réseau. Okay? Ça, c'est la première méthode. Voilà qui sera le point d'interrogation. Il est remplacé par l'équipement spécifique. Okay? Donc, parfois. Okay. Donc la deuxième méthode consiste donc la deuxième méthode parfois il existe des équipements qui ne sont pas qu'on peut pas récupérer directement le fichier EDS à partir de l'équipement. Donc c'est pour ces raisons on doit aller au site constructeur par exemple ici et ici par exemple c'est un site un constructeur. Donc je dois aller download et bien sûr je vais aller software pour récupérer le fichier EDS de cet équipement et ici vous allez trouver plusieurs ben voilà ici il va vous donner le fichier EDS à constructeur si il a des équipements qui sont connectés à l'internet ou au device net ou à n'importe quel équipement à n'importe quel réseau il doit mettre les fichiers EDS lorsqu'on parle d'Alain Bradley ou bien le fichier JSD lorsqu'on parle de CIMAS. Okay? Donc on peut le trouver directement du site constructeur directement. Car ça, c'est pas un produit Alain Bradley. Donc on va aller au site constructeur. Si c'est un produit Alain Bradley, on peut le télécharger directement à partir du site Alain Bradley. Okay? Donc ici, je vais télécharger tout d'abord à partir du site le fichier EDS. Après que j'ai téléchargé le fichier EDS de l'internet, c'est-à-dire je l'ai récupéré au nouveau PC. Maintenant, je vais l'extraire d'abord. Ok. Je vais l'extraire, je vais mettre au nouveau bureau. Ok. Ensuite, je vais ouvrir. Donc ça, c'est notre le CLS Logix. Ok. On va ouvrir à partir Tools. Bien sûr, on doit aller ici, EDS Hardware and Services Tools. Ou bien on peut le faire directement ici. Ou bien on doit aller démarrer EDS. Ou bien à partir de ces EDS Hardware and Services Tools. C'est-à-dire, ou bien à travers de RS Logic 5000. Ou bien on peut à travers de démarrer, à partir de démarrer en EDS, on trouve l'outil directement. Ok? Donc, j'ouvre l'outil. Ici, nous avons l'apparition un instant. Ouais, on clique sur registre EDS. Suivant. Ici, qu'est-ce qu'on doit mettre ici? On doit cliquer sur le parcours. Et on doit aller au fichier que j'ai téléchargé du site Internet. Ensuite, on clique sur suivant, suivant, suivant jusqu'à terminer. Voilà le fichier GSD. Donc, suivant.
suivant et terminer. Ok, donc pour résumer ce que nous avons fait pour le moment, donc si on va ouvrir le fichier RSLinks et on trouve qu'il existe des équipements qui possèdent des points d'interrogation jaunes, c'est-à-dire RSLinks n'a pas reconnu ces équipements. Donc ici, on doit, donc la solution c'est quoi? On doit installer le fichier EDIS pour être reconnu par le RSLinks. Il existe deux méthodes pour installer le fichier EDIS. Ou bien, on peut le récupérer directement à partir de l'équipement, c'est-à-dire l'équipement possède le fichier EDIS qui est installé. Donc, je peux le récupérer et par la suite l'installer au RestLinks. La deuxième méthode, si on ne peut pas récupérer le fichier EDIS à partir de l'équipement directement, la deuxième méthode, qu'est-ce que je dois faire ici? Je dois aller au site du constructeur et je dois télécharger le fichier. Avant d'aller au site constructeur, on doit cliquer à droite sur les propriétés de cet équipement pour voir quelles sont les propriétés de cet équipement. Ensuite, on doit aller au site du constructeur et on va mettre les propriétés associées à cet équipement. Et on va télécharger le fichier EDIS à partir du site internet. On va le télécharger en notre PC. Ensuite, on va ouvrir l'outil d'installation de EDIS. Et à partir de cet outil, je vais installer le fichier EDIS que j'ai téléchargé de l'Internet. Je vais installer ORSLinks pour être reconnu. Okay? Comment on peut connaître que j'ai bien installé le fichier EDIS? Donc, le point d'interrogation jaune sera remplacé par l'image de l'équipement lui-même. Okay? Merci pour votre attention.